بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ السنة الثالثة متوسط مرحبا بكم ومواصلين معكم بإذن الله في هذا الفرض النموذجي الثاني على قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك أرجو من الجميع فضلا وليس أمرا الإشتراك في القناة ودعمنا يعني دعم القناة القناة لها ثلاث أو أربع سنوات ولحد الآن مازال عدد المشتركين يعني قليل وليس بذلك العدد الكبير لذا أرجو من الجميع أن يشاركوا في القناة ويحطوا لايك على الفيديو به يوصل لأكبر عدد ممكن من التلاميذ ويستفادوا منه فجميعا ندعم المحتوى الهادف إذا لا ملايا لسواغ دي فوال نواغ دي فام دو ليست الآن رحنا نحضر على لو باتريموان لو يعني على uh... التراث والتراث هذا كما قلنا وكما سبقنا وشرحنا أنه هذا لو باتريموان يعني عنده انواع عندنا باتريموان كولتورال فيستيمونتاغ باتريموان اركيولوجيك آه، باتريموان آه، كولينير يعني الاشياء ناكلوها من بين انواع الباتريموان عندنا لا ملايا دونك نقراو النص ونجاوبو على الاسئله لا ديسبوز دو تراديسيون فيستيمونتاغ بروبر انوث كولتور يعني تخص الجزائر يعني فيها عادات وفيها تراث ملبوس يخص à notre histoire et à nos traditions qui continuent de marquer les esprits et de faire parler d'elles. La mlaïa de Constantine est un exemple des plus connus en matière d'habits traditionnels locaux, et sa renommée est due à une histoire datant de plusieurs siècles. En effet, cet habit a été porté par les femmes de l'Est à la mort de Salah Bay qui gouverna Constantine pendant de 20, euh, 21 ans à la fin du 18e siècle en signe de deuil le deuil qui et défiant des hommes, les femmes du Belir de l'Est décidèrent par choix en 1792 de porter un habit de sortir fait d'une toile noire sans couture au début, dont elles se couvrirent tout le temps. La Mlaya, ou selon voile noir. Qui recouvre toute la silhouette des femmes était une façon de maintenir vive la mémoire de cet homme exceptionnel Dont la mort fut violente et dans le sang Il est rare de croiser dans nos jours Il est rare de croiser dans nos jours Cet habit traditionnel dans les rues de l'est du pays Et plus particulièrement à Constantine Mais malheureusement Qu'il reste encore des femmes Mais heureusement Mais heureusement Qu'il reste encore des femmes Qui perpétuent ce patrimoine Propre à l'Algérie femmes, De quoi parle-t-on dans ce texte Le texte parle de La mlaya, Donc le texte parle de لا ملايا كان نكتبو لا غيبونس لا ملايا دو كيل باتريمون ساجيتيل ارتيزانال ولا كولينار ولا كولتورال ولا اركيتيكتورال دونك هنا الاجابه بما انه ما عطاناش يعني ارتيزانال يعني النحت والفن وكذا والكولينار شيء الماكول لا الكولتشورال هنا ثقافي نقدر نقولو له ونقدر نقولو فيستيمونتار بما انه ذكرها في النص فيستيمونتار حط لنا غير كولتشورال اركيتيكتورال هذه لا ما غيبون ريبون بار فري او فو لاملايا ملايا ابي مودرن يعني حديث بورتي بار لي فام سا سي فو خاطئ سات ابي ايت بورتي بار لي فام دو ليست يعني نسات تاع الشرق اللي كانوا يلبسوه فري يعني في قسنطينه

Noir, la couleur, donc, c'est noir. Il reste encore des femmes qui perpétuent ce patrimoine propre à l'Algérie. Parle qu'elle <cilleur> perpétue <à la répétition> Yani. Conserve, surveille, néglige, oublie. Le verbe perpétuer. Donc, synonyme de ta'ane, c'est la Conserve. Yani, on a conserver le verbe conserver ou le verbe maintenir maintenir nous avons باغ لانتخو قال le ancestral l'occasion patrimoine قال لك هنا شطبنا على occasion occasion l'occasion هذه تبان باللي كلمه داخله باسكو الحاي كم يعني نقولو هنا سي كلك شوز دو باتريمون لا ايضا باتريموان باتريموان انسيسترال يعني حاجه قديمه تاع الاجداد وباتريمون ايضا عندنا لوكازيون هذه كلمه داخله غلاف دو تيكس ان ادجكتيف كاليفيكاتيف ان ادجكتيف كاليفيكاتيف وان كومبليمون دو نون سهل نخرجوا من لو تيكس ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اي كومبليمون دو نون Et l'adjectif qui in a plusieurs, nous avons plusieurs adjectifs. Nous prenons le mythe, l'Algérie dispose de traditions vestimentaire. Adjectif. Euh, traditionnel. Adjectif. Local. Adjectif. un le complément du nom, le complément du, du nom, est la mlaïa de Constantine. Elle des complément du nom. La mlaïa radical ism de Constantine avec le complément du nom donc le complément du nom de Constantine ou l'adjectif traditionnel local etc soulignez la proposition subordonnée relative dans la phrase c'est dessous la proposition subordonnée relative nous disposons de traditions qui continuent de marquer les esprits qui continue de marquer les esprits. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur proche ou au futur simple. Nous, le verbe arriver nous au palais de Salah Bey dans quelques minutes. Madame, dans quelques minutes, nous allons arriver au futur proche. Nous allons arriver. Allez, allez plus infinitive, plus le verbe chaloukémaraf, l'infinitive. Nous allons arriver. Nous allons arriver au palais de Bay dans quelques minutes. L'année prochaine, l'Amjai, les touristes visiteront, visiteront, visiteront R-O-N-T. Somma, les sites touristiques de l'Algérie. Ils auront le verbe avoir ils auront et راح تكون عندهم ils auront le verbe avoir Et اذا je répète nous allons arriver les touristes visiteront ils auront ils auront ils auront, ils auront aussi la chance de déguster un de nos plats ou voilà la deux nos plats traditionnels N'importe accord de l'adjectif qualificatif mis entre parenthèses correctement la mlaya est une Ténue traditionnelle. quel allons dire que nous allons dire au nous c'est une tenue traditionnelle noire dire que fait. Deux dire e, nous allons e, que nous allons dire constantinoises, nous j'ajoute, e, Portée. E. Par les femmes constantinoises. Constantinoises. E de féminin et de s du pluriel j'ajoute le « e » de féminin et le « s » de pluriel. Je répète, la mlaya c'est une tenue traditionnelle, nous y e » de féminin. Noir, j'ajoute « e » de féminin. Portée, « e » de féminin, par les femmes constantinoises, « e » de féminin et « s » de pluriel. Puis, ici, moi Le bournous fait partie de notre patrimoine ancestral. hadal bourgnus, le bornos est un habit traditionnel qui reflète qui reflète l'identité algérienne. Donc le bornos est un habit traditionnel qui reflète l'identité algérienne. voilà L'identité culturelle algérienne. Il est, il est de couleur marron dans l'atlas saharien, virgule, blanc en Kabylie, etc. Le burnous se compose... Le burnous est confectionné à partir de la laine pure du dromadaire ou du mouton. On peut le porter. Voilà, ce, ce vêtement est porté dans de nombreuses régions de l'Algérie. On le porte toujours. On le porte le jour du mariage. à Et nous allons dire, Cette tradition, cette tenue traditionnelle, c'est un synonyme de fierté. Voilà, c'est un symbole إذا هذا التعبير إن شاء الله التعبير راح نكتبه ونخليها لكم في في صندوق الوصف أو في أول تعليق تجدون التعبير بإذن الله مثبت شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته